regardé les films historiques ou alors les épopées, les films de bataille. Pas tellement à cause de l'histoire, mais parce qu'il y a beaucoup de figurants dedans. Et si on laisse de côté l'intrigue principale et qu'on regarde vraiment derrière l'action, dans les quatre coins de l'écran, il y a des figurants qui font des choses qui sont très libres, qui font des choses de manière très personnelle ou qui ont des corps très personnels.